te jure que là, je suis en live avec toi, je peux envoyer 50 000 euros à quelqu'un sans même que tu le vois. En bitcoin. À Dubaï, on est 1 sur 4 à utiliser du bitcoin pour acheter des appartements, pour acheter des voitures. C'est une monnaie acceptée. Les gens qui disent que ça n'a pas de valeur, c'est faux. Et je vous le dis, le bitcoin sera à plus de 1 million d'euros dans les 10 prochaines années. Pour ça, il faut s'adapter avec son époque. Sadek, ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. L'or, c'est utilisé depuis quand? Depuis des décennies, l'or. La capitalisation de l'or dans le monde, c'est 13 trillions d'euros, allez, on va dire. Le bitcoin est déjà capitalisé à 1 trillion. Je suis d'accord avec vous. C'est comme les NFT, c'est comme les NFT. C'est en train d'arriver là. Les NFT sont en pleine expansion, c'est en train d'arriver. C'est pareil, c'est comme le bitcoin, mais c'est un autre level. Il faut comprendre. C'est pour ceux qui sont doués d'intelligence et qui réfléchissent. C'est pas donné à n'importe qui. Bitcoin, d'ici 10 ans, il va monter à plus $1 million. Ouais, c'est vrai. L'or, c'est utilisé depuis quand? Depuis la nuit des temps, l'or. Depuis des décennies, l'or. Moi, je le dis, je l'assume. Je ne sais pas tout sur les crypto-monnaies, mais je sais très bien ce qui se passe avec les généraux byzantins. Je sais ce qu'est un layer 1, un layer 2, un layer 3. Je connais le web 1, 2, 3. Et je vous le dis, le bitcoin sera à plus de 1 million d'euros dans les 10 prochaines années. L'or, c'est utilisé depuis quand? Depuis des décennies.